Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, un petit peu particulière, comme vous êtes en train de le voir, je suis sur Minecraft, enfin un petit gameplay de Minecraft. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous annoncer le grand projet tant attendu, l'annonce importante que j'arrête pas dans ce moment. Ça fait un bail que j'en parle. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de ce projet qui me tient vraiment très à cœur et que j'ai énormément envie de vous partager. Alors si vous êtes intéressé, attention à bien écouter de ce que je dis. Et si vous êtes intéressé, je recherche pour le projet, c'est le projet en fait, c'est d'ouvrir mon serveur. Pour certains, ils savent très bien que j'ai déjà ouvert un serveur, mais aujourd'hui, je veux renouveler ce serveur-là en fait pour longue durée. Et en fait, je me donne un mois pour ce projet-là. Alors, dans les un mois, y compris, je recherche 3 codeurs maximum. Alors, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes codeur, depuis combien de temps vous jouez à Minecraft. Enfin, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais pour me joindre, pour qu'on puisse se joindre tous ensemble, vous avez dans la description mon Discord. On se rejoint dessus, on parle dessus et on essaye d'en débattre et tout ça et machin, de pouvoir s'entraider et tout. Et si vous êtes vraiment intéressé, vous êtes chaud à faire les plugins, hein, quand je dis codeur, c'est plugins, etc. Enfin, m'aider à entretenir le serveur. Et comment dire, et une fois que tout cela sera fait, je sortirai une ouverture officielle du... Comment dire, 1, 2, 3, j'y arrive plus aujourd'hui, j'ai pas envie de trouver mes mots, mais c'est pas trop grave. Enfin, je sortirai une ouverture officielle du serveur, où je rechercherai 2 admins, 2 modos, mais avant cela, je recherche 3 codeurs maximum. S'il y en a plus, tant mieux, parce que comme ça, au moins, les plugins peuvent être variés, et vous pouvez vous entraider. Mais c'est vrai que j'en cherche 3, plus ou moins 3, âgés de 16 ans. Je trouve ce qui me semble correct. Après, si vous êtes moins âgé, libre à vous de montrer que vous êtes mature. C'est vrai que je recherche quelqu'un de mature, je ne recherche pas des Pokémon, hein. Des pyjamas, enfin voilà, vous m'avez compris, on s'est très bien compris pour ça. Si vous êtes pro, vous êtes chaud à vous intégrer au serveur, et ben ça me fera énormément plaisir et on pourra travailler ensemble. Et voilà, alors je pense avoir fait le tour. Je le répète une dernière fois, je cherche vraiment 3 codeurs à l'heure actuelle. Et aussi, j'allais oublier, je laisse cette vidéo jusqu'au début juillet. Ça veut dire, allez, à peu près... Enfin, la vidéo sera toujours disponible, mais elle prendra fin à peu près le 2 juillet. Alors quand je dis prendre fin, ça veut dire que le serveur sera normalement plus ou moins mis en place et tout ça. Et après, normalement, il devrait avoir l'ouverture officielle du serveur si ça se concrète. Si tout le monde est motivé autant que moi, on pourra concrétiser le serveur et on pourra l'ouvrir officiellement. Et voilà quoi. Alors je pense avoir fait tout le tour, hein. C'est comme je dis. Comptez vers le 2 juillet. Tout doit être fait. La map du serveur, ça sera pour ceux qui connaissent mon ancien serveur, c'était Barca City. On va reprendre avec la mairie que mon cousin avait fait, soit 77 ou Dolly Faro, ça dépend à quel moment vous avez connu mon cousin. Et en fait, je reprendrai ce moment-là, enfin je reprendrai sa mairie, je reprendrai la ville qui avait été créée par Omega Phoenix aussi, hein, une grosse dédicace à toi ma poule. Parce qu'il a beaucoup contribué avec mon cousin aussi, on a vraiment travaillé dur sur ce serveur là. Et c'est vrai que j'ai envie de reprendre cette ville là et refaire du semi-RP aussi, j'allais oublier, hein, ça sera un semi-RP. Et voilà, alors n'hésitez pas à aller dans la description, dans le Discord, si vous êtes intéressé à faire du semi-RP et vous êtes codeur, vous êtes prêt à vous donner à fond comme moi. Et voilà, bon bah il me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, j'espère que vous aurez compris un petit peu ce que je veux dire, et j'espère que ce projet aboutira, on verra la suite ce qu'elle me donnera, et comme je l'ai dit, bah on se retrouve plus ou moins normalement début juillet pour faire l'ouverture officielle du serveur, de présenter tout le staff, etc, enfin voilà. Là, je présenterai tout le monde, il n'y aura personne qui sera mis à côté ou quoi que ce soit, mais vraiment tous ceux du staff. Et voilà, après, on verra comment on organisera tout ça. Déjà, commencer à faire les plugins, etc. Enfin, tous ces heures de travail qui doivent être faites avant l'ouverture du serveur. Et voilà.
En tout cas, j'essaierai de vous faire peut-être une bêta, hein, pourquoi pas si le serveur s'ouvre et essayer de vous faire une bêta, une visite pour ceux qui n'ont pas vu auparavant cette ville-là. Et je me ferai un plaisir de vous la filmer et de vous la faire voir en vidéo. Je pense avoir tout dit là, j'ai fait vraiment tout le tour et n'hésitez pas, hein, si vous êtes codeur, dans la description, mettez-vous à parler, etc. Et voilà. Et n'hésitez pas à passer dans le Discord. Et je me ferai un plaisir de parler avec vous et d'en débattre du serveur. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt, portez-vous bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, tchuss!